Salut tout le monde, c'est Tidio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous dire le verdict de ces gants. Je pense que vous les connaissez. C'est les Gladiator 4.0. Donc, au bout d'un an d'entraînement intensif, je vais vous dire ses défauts et ses qualités. Donc, c'est parti, let's go. Donc, premier défaut, certaines coutures se sont un peu défaites. Là, ici, quelques coutures aussi qui sont enlevées. Ici, là, il y en a une. Et après, ça, je sais pas ce que c'est, mais sur le dessus du gant, ici, vous voyez, il y a un creux. Et il y a des petites boules ici, donc je sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là, vous voyez quand même que c'est bien rentré comparément à cette paire. Donc en plus, avec le bras avant, donc il y a des petites boules qui sortent. Mais après, je les ai pas ménagées, ils ont souffert quand même. Et après, il y a aussi le rembourrage de la paume de main. Donc, on voit que là, au milieu, il n'y a plus du tout de mousse. En fait, la mousse, elle est sur les côtés. Ça, c'est un défaut. Et l'autre côté, pareil aussi. Là aussi, on voit qu'il manque de mousse. Après, c'est une paire de gants milieu de gamme. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'ils soient abîmés comme ça. Mais je les ai vraiment pas ménagés. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ce gant custom, j'avais fait une vidéo dessus. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, ça c'est du cuir, donc du haut de gamme. Et on voit quand même la différence. Celui-là, ça fait 4 ans gelé, il a vraiment pas bougé. Et il est en super état. Et pourtant, je fais 3-4 entraînements par semaine avec. Donc là, vous voyez, il y a plein de petites boules. Donc vraiment, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, il y en a plein aussi. Ici. Et là, comparément à ce gant, vraiment, il n'a pas bougé. Donc voilà un peu les défauts de cette paire de gants. Après, j'aimais bien cette matière un peu cuir vieilli et ces magnifiques designs. Franchement, Venom, vous faites du super travail sur ça. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous savez un peu ce que c'est ces petites bulles-là. Merci et à la prochaine. Ciao!